Vous voulez qu'on puisse célébrer la Sainte-Sainte?
Regardez comment vous aimez tous vos vêtements. Regardez surtout les mamans comment vous aimez vos bijoux. Regardez comment vous aimez vos enfants. Et comment dirais-je aux frères, regardez quand vous avez l'argent dans votre poche, comment vous protégez cet argent. Comment vous faites pour qu'on ne puisse pas vous voler. Quand vous avez une montre de grande valeur, cette montre, voilà, regardez comment vous protégez cette montre. Amen. Amen. Voilà comment vous aimez vos femmes, chez maman. Ceux qui aiment bien, protègent aussi bien. Amen. Quand vous aimez l'Église, ce n'est pas l'Église qui doit se protéger. Mais au contraire, c'est vous qui devez protéger l'Église. Pour que Dieu puisse aussi vous protéger. Amen. Si vous ne vous protégez pas la valeur de cette Église, est-ce que Dieu pourra vous protéger? Non. Comprenez un peu comment il vous a soit comblé des trucs que vous êtes dans la parole. Faites un peu le bilan, comprenez un peu les plus que vous êtes là, combien de merveilles que Dieu a réalisées en vous. Et comparez un peu avec là où vous étiez auparavant, combien de merveilles vous avez plus que si. Il peut dire ici qu'il a eu de merveilles, tant que beaucoup de merveilles plus que là dehors. Amen. Amen. Ce que vous avez découvert à l'Iloba, c'est plus que ce que vous avez trouvé là dehors, n'est-ce pas? Amen. Il y a la vérité, n'est-ce pas? Amen. Regardez un peu tous ces cantiques que vous chantez. Il y a tant d'autres personnes qui ont étudié la Bible, qui ont dépensé beaucoup d'argent pour connaître ce que vous avez, ce que vous avez connu, ce que vous avez ici, mais ils n'ont pas eu ça, ils n'ont pas trouvé cela. Mais uniquement pour le courage que vous avez, voilà, vous êtes là, une fois. On est tellement content. Mais ce courage que vous avez, étant une fois aussi fragile, quand on a des problèmes, les gens qui se fatiguent, qui se retirent, en se retirant, on peut aller trouver une autre église pareille? Non. Il y en a là-dehors? Non. Les rebelles? Non. Il y en a? Non. Les cantiques que vous avez, c'est le cantique de valeur, que Dieu a lui-même composé. C'est lui qui l'Église qui a toujours chanté tous ces cantiques. Considérez un peu la valeur que Dieu vous a donnée. Oh,
Va salir de la torre.